Cette chantilly-là, va te débarrasser des vergetures, va lisser ta peau, va rendre ta peau élastique. Moi, c'est Taïboti, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien chez toi. Eh bien, chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Si tu es une nouvelle abonnée, je te souhaite la bienvenue dans notre famille. Et si toi, tu me suis déjà, eh bien, je te dis merci parce que c'est grâce à toi que la famille s'agrandit. Et si tu es de passage sur ma chaîne ou que tu es tombé par hasard sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. C'est avec un grand plaisir que nous allons te recevoir dans notre famille. N'oublie pas d'activer également la cloche de notification. Ça te permettra d'être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. Alors aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va faire une chantilly de beurre de karité. En fait, c'est une chantilly qui est extrêmement, mais extrêmement hydratante. Souvent dans mes vidéos, je vous parle de faire des vos mélanges à vous, hydratants, nourrissants, tout ça, tout ça. Et bien, celle-là, c'est vraiment un très bon mélange qui va venir nourrir en profondeur votre peau, va venir vraiment hydrater votre peau. Si vous n'avez pas exactement les mêmes huiles que moi, vous pouvez changer les huiles ou rajouter certains ingrédients. Alors, la base, vous restez sur une base de beurre de karité. Alors, pourquoi j'ai choisi le beurre de karité? Tout simplement parce que le beurre de karité, mes chéris, vous le savez, franchement, j'ai pas besoin de vous vanter encore les mérites du beurre de karité. Il a tellement des propriétés, il a vraiment des propriétés de guérison. Le beurre de karité hydrate. C'est un anti-inflammatoire. Il guérit, il diminue les cicatrices de la peau, des cicatrices comme les vergetures. Il est magnifique sur ce genre de truc. Il aide à prévenir aussi les vergetures. Il contient la vitamine A. Donc, c'est ce qui aide à la peau à devenir encore plus souple. Et elle est aussi réparatrice. Dans ce mélange-là, je vais venir mettre aussi de l'huile de coco. Oh, l'odeur, l'odeur, l'odeur. J'adore l'odeur de l'huile de coco. L'huile de coco, je l'ai choisie parce que il redonne à la peau son élasticité naturelle. L'huile de coco nourrit la peau, hydrate la peau, il assouplit la peau. L'huile de coco, elle assouplit la peau, elle lisse la peau. C'est aussi une huile par excellence anti-dessèchement. La deuxième huile que je vais utiliser, ça va être l'huile d'avocat. Alors moi, l'huile d'avocat, c'est une huile que j'adore, mais que j'adore vraiment, que j'aime beaucoup. L'huile d'avocat renforce l'élasticité de la peau. Elle rend la peau encore plus souple. Elle repart, elle restructure les peaux abîmées. Donc, la combinaison, j'ai envie de vous dire, est presque parfaite. Sinon, elle est parfaite. Avant, je vais vous faire une petite précision. Une toute petite précision. Avant de commencer cette recette, je vais te conseiller de laisser ton beurre de karité près d'une source de chaleur pour que ça ramollisse un petit peu. J'ai pas dit de le faire fondre, hein. Juste que ça se ramollisse un tout petit peu. Tu peux mettre peut-être même 2 secondes au micro-ondes si ça peut t'arranger, mais pas fondu. Donc, comme j'étais dit, moi, pour faire ma chantilly, j'ai eu besoin du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat et de la vitamine E pour ma conservation. C'est vraiment un beurre. Ma chérie, déjà l'odeur là. Tu peux rajouter aussi des huiles essentielles. Moi, je n'en mets pas. Mais tu peux rajouter une huile essentielle si tu trouves que l'odeur du karité est encore dominante et que tu ne supportes pas trop l'odeur du beurre de karité. Tu peux rajouter autre chose. Une huile essentielle qui va te parfumer. L'huile essentielle de pamplemousse, d'orange, ce que tu veux. Qui est bien sûr adéquate pour la peau. Hein.
Donc, pour la préparation, moi j'ai mélangé le beurre de karité. J'ai mélangé 4 cuillères. Moi, vous voyez, j'ai un grand bol de beurre de karité. J'ai un très très grand bol de beurre de karité qui vient de l'Afrique, de mon continent chéri. J'ai un gros bol de beurre de karité. Donc, dans le bol, je vais prendre 4 cuillères. 4 cuillères à soupe de beurre de karité. Je viens mettre, qui a un tout petit peu ramolli. Ensuite, je vais venir mettre 2 cuillères de l'huile de coco. Ensuite, je viens rajouter 2 cuillères d'huile d'avocat. Je viens mettre le tout dans un bol. Tu peux utiliser, pour le fouetter, tu peux utiliser un fouet manuel, mais bon, après ça demande de l'huile de coude, hein. Sinon, un fouet électrique pour avoir une texture plus crémeuse, plus homogène, c'est mieux d'utiliser un fouet électrique. Moi, dans cette vidéo, j'ai utilisé un batteur, tout simplement parce que je suis habituée à utiliser le batteur sur ce genre de choses et pour moi, c'est plus facile d'utiliser un batteur. Donc, j'ai mis directement mes 4 cuillères de karité, mes 2 cuillères d'huile de coco et mes 2 cuillères d'huile d'avocat. Je les ai mis directement ensemble et j'ai fouetté. J'ai bien fouetté. Bon, c'est le mixeur qui a fait l'affaire. C'est lui qui a travaillé pour moi. Mais voilà. Donc, ça, j'ai bien fouetté. Et c'est que tu le fouettes comme si tu montais une mayonnaise, en fait. Tu le fouettes bien. Et ensuite, quand tu vas sentir que bah c'est devenu une chantilly, quoi, ça a changé un tout petit peu de couleur et la texture, elle est devenue beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus homogène. Là, tu viens poser ta préparation. Et moi, quand je finis de battre, là, je rajoute ma vitamine E. Et ensuite, je viens
tout mélanger avec une cuillère en plastique. Je viens tout mélanger ensuite. Et voilà, tu as fait une chantilly magnifique, toute simple à faire, mais vraiment toute simple à faire. Tu peux l'utiliser pour une femme enceinte sans mettre des huiles essentielles, bien sûr, pour prévenir les vergetures d'avant la grossesse. Pour traiter tes vergetures, c'est magnifique parce que ça va venir assouplir ta peau. Vous savez, les changements de poids, des fois, tu grossis trop vite, tu minces, tout ça, là, ça donne des vergetures ou tu as des produits trop forts. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes chéris qui m'ont demandé des vidéos avec le beurre de karité, des vidéos de beurre de karité éclaircissant. Donc, je vais vous faire un mélange, comment je fais mon mélange aussi avec le beurre de karité éclaircissant. Donc, là, voilà, tu as une base que tu peux utiliser comme tu veux. Le soir, c'est mieux parce que ta peau se régénère. Donc, tu peux utiliser ça le soir si tu as énormément de vergetures. Mais sinon, dans la journée aussi, ça le fait. Tu le mets sur ton corps. Moi, le beurre de karité, je ne le mets pas sur mon visage parce que ben, c'est comme ça. Mon visage, ben, voilà, il sort des boutons quand je mets le beurre de karité. Mais toi, si tu n'as pas de souci avec, tu peux y aller. Mais sinon, pour le corps, pour les vergetures, c'est tout simplement magnifique. Tu peux l'utiliser sur tout ton corps sans exception. Ma chérie, tu vas voir. Tu vas voir comment tu auras la peau lisse. Tu n'hésites pas à aller aussi en dessous de ton pied. Comme ça va lisser en même temps ta plante des pieds. Tu auras la peau toute douce de partout. Voilà, ma chérie, ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Je vais te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager. À t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Bisous, bisous.